My lights are fading, the paths I can't choose between. Are we built to be machines? A thousand voices, different things. Je vais arrêter de blablater là et je vous tiens au courant de la suite des événements concernant Jean au fil de l'eau. Voilà. Bisous. Coucou, donc on se retrouve, on est le lendemain où j'ai effectué le test de sédimentation de Jean. Et je vais vous retourner pour que vous puissiez mieux voir dans quoi je l'ai mis en fait, puisque j'ai changé carrément mon sac. Mon sac fuyait, donc je suis allée récupérer du crottin, enfin quelques boules de crottin de Jean que j'ai remis dans un grand, mais je vais vous montrer, je vais vous retourner pour que vous puissiez mieux voir et puis je vais vous expliquer ça. Donc comme vous voyez, je l'ai mis dans un petit gant et donc j'ai mis sa boule de, enfin une de ses boules de crottin, j'ai rempli d'eau, je l'ai un peu malaxé, enfin bref tout ça pour bien mélanger le crottin à l'eau. Et en fait, 8 heures après, enfin là, il s'est passé carrément une nuit complète, parce que bah, 8 heures, ça m'a amené à 1 heure du matin, quand j'ai refait le test. 8 heures après, bah, il faut toucher en fait le bout des doigts et essayer de sentir ce qu'il y a. Et moi, clairement, je sens qu'il y a comme des petits graviers là-dedans. Alors peut-être que c'est tout simplement... Ouais, il y en a un petit peu là, il y en a aussi... un petit peu ici, enfin, je sens comme des petites granulosités, donc clairement soit c'est des petits cailloux, soit c'est des petits grains de sable, soit ça peut être de la bouffe qu'il a à manger, qu'il a ingéré, là j'en sens pas mal là, qu'il a ingéré, qu'il digère mal, forcément ça peut être ça, et vous voyez un petit peu, je sais pas si vous voyez le petit point, là, on voit le petit point et franchement clairement je pense que ouais, macro fais-toi. Je sais pas si vous verrez, mais moi je les vois d'ici et je vois que il y a quelque chose. Donc du coup, bah, je vais faire ma commande et je vais mettre Jean sous psyllium une fois que les corticaux finis. On va faire ça une dizaine de jours et on va voir si ça améliore la chose. Et puis on verra. Quant à moi, bah, je vais continuer de vous tenir au courant tout au long de cette vidéo parce que je suis sûre et certaine qu'il y a des chevaux comme Jean qui ont ces petits problèmes-là et dont les propriétaires cherchent des solutions. Personnellement, moi, ça fait depuis 2017 qu'il a commencé et depuis 2017, j'ai cherché des solutions, j'ai cherché des traitements, j'ai investi dans beaucoup de traitements pour essayer de faire passer du moins ses écoulements de flotte, parce qu'il a des écoulements de flotte, mais il n'a pas que ça, il a aussi des crottins qui sont mous de temps en temps. Donc c'était pour faire passer ses crottins mous et surtout les écoulements de flotte qu'il a, parce que c'est pas super agréable pour nous comme pour lui. Mais c'est pas pour ça qu'il en souffre, hein, je vous rassure. Il souffre juste quand il est quand ça lui déclenche des coliques. Et là, vendredi dernier, ça lui a déclenché une forte colique. Enfin une forte. Il y a plus fort. Je vous rassure, il y a plus fort. Moi j'ai connu beaucoup plus fort. J'ai connu Jean en déplacement du côlon, il y en est sûr. Qui se jetait par terre en fait, qui faisait des crottins, mais des crottins, mais bouse de vache liquide, hein, c'était immonde, et il s'en jetait par terre. Donc clairement, je connais des coliques plus fortes. Donc là, elle était en colique, elle était forte entre guillemets, hein, voilà, elle était plutôt légère, mais voilà, je peux être laser shot pour une colique légère. Voilà, bref. Dans tous les cas, je me dis que ça peut aider certains propriétaires qui cherchent des solutions. Donc là, on va essayer la cure de psyllium. Donc le psyllium, ça va tout simplement former, d'après ce que j'ai vu et d'après les informations que j'ai lues sur un PDF que je suis allée chercher. Enfin, je suis allée chercher quelques informations sur Google parce que, bah oui, je me renseigne, hein, je suis comme tout le monde, hein, je ne suis pas devin. Et ben en fait, c'est super, super bien expliqué et ça explique que ça peut former des coliques, mais aussi des diarrhées avec, bah, forcément des écoulements de flotte.
comme Jean a depuis 2017. Sauf que là, cette année, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus important. Sauf que, comme on l'a mis sous cortico, c'est moins important. Donc, clairement, c'est qu'il a une inflammation de la muqueuse des intestinales. Et donc, du coup, les corticos forcément agissent. Mais il faut pour ça aussi faire le test de sédimentation. Parce que peut-être qu'il a des petits grains. Et là, je pense qu'il en a dans ses crottins qui font que ça irrite hein, sa muqueuse intestinale. Et donc, forcément, il y a un traitement qui existe. Et ça s'appelle le psyllium. Et donc, le psyllium, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement former un gel tout autour de la paroi intestinale, capter toute l'eau et dégager tout ce qui est impureté, grains de sable, petits cailloux, terre, enfin bref. Tout ça, ça va tout dégager, tout ce qui est petite impureté, pour que le cheval aille mieux. Voilà. Allez, sur ce, moi je vais vous laisser. Je vais aller finir de m'occuper des garçons parce qu'on est au petit matin et que j'ai Jean qui attend avec impatience que je m'occupe de lui. Là je vous tourne, on est dans la partie où je prépare la bouffe, je vous tiens un bout de bras et vous commencez à être lourd, je vais pas vous mentir, et puis je vous tiens au courant de la suite des événements et je vous ferai peut-être la petite ouverture de colis parce qu'il n'y a pas que le psyllium que j'ai cornée pour Jean, j'ai trouvé d'autres petites choses, on m'a aussi beaucoup conseillé, j'en remercie vraiment une instagrammeuse et une personne qui a Facebook, je vous mets d'ailleurs le lien de son Instagram juste en bas de la vidéo là. Et je la remercie vraiment parce qu'elle m'a vraiment aiguillée et qu'elle ne lâche rien et que clairement elle est géniale. Enfin voilà, et je remercie aussi beaucoup de monde qui m'ont aiguillée, qui m'ont soutenue dans le moment que je traversais vendredi dernier, enfin, qui était difficile pour moi, vendredi 22, de voir Jean qui n'était pas bien. Et en plus de ça, quand on en rajoute en fait, clairement ça donne pas envie, ça donne plus envie en fait de partager en fait. Voilà. Allez, je vous laisse et puis je vous tiens au courant de la suite des événements. Bisous à tous. How are we to choose?